PEGI 18. Ah, il m'en faut 3, d'accord, ok. Putain. Je suis à poil. Faudra que je loot tout ce qui traîne pour me faire cuire en fait. Bon, allez, on va boire un petit coup en attendant. Ah, magnifique. Il n'y a pas des trucs d'eau comme ça, mais portable. Bon, arrête-toi, tu vas vomir. Faut bouffer aussi. Est-ce qu'il y aurait un petit truc pas trop deck que je... Ouais, allez, fruits mutants sauvages, fleurs de courge. T'as toujours faim? Alors, il y a un troisième truc qui s'est fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. C'est peut-être pas dangereux. Alors, je me rappelle que j'étais allé à la ferme. Mais que je suis pas allé voir une sorte de caravane qui était pas loin de la ferme. Du coup, on va aller faire un petit saut. Je vais voir si là-bas il y a un truc d'abord. Ah, je le vois, le petit zouave là-bas. Je le vois, il croit que je l'ai pas vu, mais je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. Regarde où il se cache. Il pense qu'il se cache ici. Mais t'as cru que tu te cachais là? Mais. Ah, je pense pas que j'aurais le skill pour le bousiller d'ici. C'est dommage. En tout cas, faudra déjà barricader d'ici, je pense, parce que ça pourrait peut-être arriver par là, entre les pillards et le reste. Il y aura peut-être des ghouls. Je sais pas s'il y aura des ghouls qui vont nous ennuyer. A priori, il y a l'air d'avoir personne. Ah, attends, fais gaffe, Kadibou. Ah, t'as le droit de mourir aussi. Canigou ne sert vraiment à rien. Champignon luminescent. Samir a dit. Y'a pas un truc là? Allez, je prends vite ça et je me casse. Il donne rien. Y'a rien du tout. Attends, je vais juste voir au niveau des rades où est-ce que j'en suis. Niveau des radiations. Attends, c'est quoi ça? Ça te le stipule pas plus que ça. J'ai eu le pas plus que ça. Endurance moins. D'accord. Ok. Bon bah on a plus qu'à avancer hein. En fait je sais pas. Ouah, ça le précise pas. C'est parfait. Ah, une maison. Enfin ce qu'il en reste. Il y a un bruit. C'est quoi ces trucs là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Du scotch. C'est où que ça tire? Oh! Il se passe quoi là-bas? Ça a été trop beau. Mettre un petit headshot à pas piquer des hannetons depuis ici. Cabine de garde forestier. Die! Il est dégommé le machin. Attends. Alors toi, bon portant. Ah, t'as osé faire ça? Die! Va rejoindre ton frangin enculé. Putain, je veux péter que des rats quoi. Y'a un OSP par là. Plaque chauffante. Guide de survie des terres désolées. Oh ouais. Vous avez trouvé un numéro du magazine. Guide de survie des terres désolées. Réduit de 5% les dégâts subis au corps à corps. Bonus permanent. Ouais, la majorité du temps on balance du sperme radioactif. Paye ton corps à corps quoi. Bonus Mirilurk. Ok, allez, je l'embarque. Holobande de la fugitive. On va écouter ça tout de suite, mon petit gars. Allez, c'est où? Voilà. 22 octobre 2077.
J'ai fini par leur dire ce soir et ça s'est mal passé. Très mal. Papa n'arrêtait pas de crier, de me dire que je devrais avoir honte de moi et qu'il voulait plus de moi à la maison. Maman n'a fait que pleurer. Et ça m'a encore fait plus de mal que si elle m'avait traité de tous les noms. Elle a pas dit un mot. Même quand j'ai fait mes valises. Je peux pas aller retrouver John. Voilà. Il est même pas au courant. Elle a annoncé qu'elle était journaliste en fait. Peut-être qu'il le saura jamais. Ça c'est inacceptable. S'il n'y avait pas la cabane, j'aurais aucun endroit où dormir. J'ai besoin de réfléchir. La dernière fois que je suis venue ici, j'étais encore une petite fille. Et c'était mon terrain de jeu. Aujourd'hui, je suis morte de peur. Est-ce que ça finira par s'arranger un jour ? Bah alors tu m'excuseras, je sais pas si... Non ? Je vais dormir dans ton lit, ça t'embête ? Non, ça t'embête pas ? Oh, t'es adorable, merci. On va dormir un petit peu, puis on va mourir au réveil. Vous avez extrêmement faim. Attends, c'est moi où il a marqué « Vous vous êtes réveillé après avoir dormi ». Enfin, après... Ouais, enfin, voilà, quoi. Viande de mouche bouffie. Tiens, bah tiens, on va faire cuire ça. Où est-ce qu'il était, le troisième bâtard ? Bah, lui, il a des pop, en fait. Il a eu tellement avoir la rage qu'il a LTF4. Voyons voir. Alors, rôti, est-ce que je peux... Ah ! Une bouche bouffie grillée. Qu'est-ce que ça va être bon. Un vrai régal. Dis donc, j'en salive d'avance là. Voilà, tu vas te régaler mon petit gars. Ça va te requinquer en moins de deux. Attends, est-ce que j'ai faim là déjà? Ouais, j'ai faim. Alors on va manger. C'était quoi? C'était mouche bouffie grillée. Ça te blinde pas? Plus 11, ok. Ok la vanne, ok. Bon c'est pas grave, tant qu'on a réussi à survivre un jour de plus. Je suis pas mort une fois encore là, je suis pas mort hein. Franchement, je suis... Je m'améliore un petit peu. Ça m'a l'air un petit peu trop calme ici là. Mais vraiment trop. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est un caution. Modèle do not open during opération. Ah, paye ton anglais quoi. Ok. Celui-là, non. Ok. Il y a rien qui correspond. Nail, non, il y avait pas. Dies, non. Near, non, ça c'est save. Non, file, non. Même les E, ils sont pas pris en compte. Down. Bah non, parce que le N, il est... Mais ils se foutent de moi, ils veulent vraiment pas que je finisse ce jeu en fait, c'est dingue. Mais allez vous faire. Ah non mais je vais l'ouvrir là, je pense qu'il va être gentil, j'espère. On va attendre un petit peu puis je vais relancer. Ça c'est le même style de codage que Sleeping Dog quoi, j'y crois pas. Les trucs sont tout cons mais je passe 3 heures dessus. C'est dingue hein. On va essayer un autre O. Non. STL. Mais allez vous faire... Ban. Je sais pas moi. Putain. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, la prochaine, si ça marche pas, fuck off. Y'a qu'un seul M dans la liste, tu te fous de ma gueule. Ah non, la maze. Ah, pour ceux qui connaissent. Euh...
allez, c'est quoi? Voilà, on va te faire enculer. Moi, je toucherai plus jamais un ordinateur dans ce putain de jeu. Ghoul sauvage. Atelier de chip. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour le kleps. Ah non, c'est pour moi. Ah, je peux les crafter au lieu de les acheter, mais je suis vraiment... Ah, ça, c'est pour le chien. Ça, c'est pour le chien. Allez, il faut du poum et du tissu. Ok, drogue. Psychojette. On va faire ça, ouais. Grenade. Normal. Guérison. Normal. Ils veulent pas que je guérisse dans le jeu, donc ça, c'est même plus un rêve, hein. C'est même plus la peine. Et ben voilà. Bon, on va fouiner un petit peu quand même ce qui reste par là. Scotch, ça c'est bon. On peut pas passer par là. Ah. Ah, mais c'était ouvert ici, donc ça sert à rien. Attends, attends. Ah, le bâtard. Je peux... Eh, mais... Toi, alors, toi... Quand on touche mon chien... Soignez votre compagnon. Bah oui, je vais t'aider, mon petit canibou. Je suis une pute. Non, pas avec toi. Non. Une boîte de conserve, ça pourrait servir. Et donc, c'était intense. C'était intense. Nettoyant. Ah, on pourra... Vous êtes desséché à cause du manque d'eau. Oui, bah tu attends. A savoir que je me suis encore une fois de plus barré sans avoir fait de réserve. C'est formidable, hein, franchement. Ça, c'est du skill, hein, c'est du professionnalisme, ça. Hein. Putain de merde. Oh, argent d'avant-guerre. Pour un sac aussi rempli que ça. Ça sent le foutage de gueule. Attends, il y a d'autres trucs par là. Il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres. Non, le chien, mais fais gaffe. Oh, oh. Bien vu, mon petit. Putain, qu'est-ce qu'il est pas con. Est-ce qu'on avait tout? Habitant. Toi, t'auras plus besoin de ça. Tu baisses ses recherches, tenue sportive. Osef. Ah, coffre-fort. Bon, alors là, c'est dans mes capacités. Là, on est d'accord. Voilà, vous voyez. On prend les munitions, et puis au pire des cas, on s'en débarrassera si vraiment on est blindé. Quoi. Ah, ça fait plaisir. Mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche de l'eau. Attends, mais est-ce que j'en ai déjà? Faut quand même que je regarde, là. Eau purifiée. Vous êtes bien hydraté. Eh ben voilà, parfait. De toute façon, après, on remontera régulièrement, donc... Établi d'armure. Est-ce que je peux refaire un nouveau truc ou pas? Non, ah non, j'ai toujours pas de cuir. Merde, enfin que... Y'a plus rien de spécial par là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va regarder l'autre baraque là-bas et puis après où est-ce qu'on pourrait remonter après? Si on retourne à Sanctuary avec les quelques loot. Ouais, alors attends, mon petit. On va écouter ça aussi, cette histoire là. Blake, j'aimerais que tu m'écoutes comme un frère. Toute cette histoire avec Eddie, c'est un vrai merdier. Sérieux, t'en connais beaucoup, toi, des associés qui menacent de te flinguer si ça se passe pas comme ils veulent. Ça nous dépasse complètement. Moi, je suis pas d'accord. Et franchement, je vois pas comment on va s'en sortir. À mon avis, faut qu'on arrête tout et qu'on se tire le plus loin possible. Eh ouais, mon gros. Laisse-moi juste la possibilité de t'en parler de vive voix. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'en sorte tous les deux. Ah, attends, j'ai pas vu ça encore. Quoi? Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Zay.
J'ai flagué ton cousin, mon gros. Là, par contre, lui, je le houlette. Oh, regarde ça, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Alors, la glande. La glande. Y'a pas de viande? Ils veulent pas que je me nourrisse, ils veulent vraiment que je crève dans ce jeu. Et bah non, ça n'arrivera pas. J'y finir vraiment doué, vous allez voir. Ouais, bon, ouais. Oh là 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 là. C'est là bon. Là. Clé à molette. Ok, la vanne. Tout ça pour une clé à molette. Une clé. Oh, c'est pas mal ici. Ah, blessure 1. Bouteille de bière. Ah, on va pouvoir y remplir. Il y en a d'autres là par là. Ouais, comme ça on va pouvoir remonter à la maison. Parce que là je suis pas encore vraiment au top du top, tu vois. Ah, du coup des squats. Et après c'est pour guérir des radiations aussi. Il y a toute une tata de conneries. Faut que je me prenne des antibiotiques avant de prendre l'antirade. Parce que l'antirade te rend vite malade en fait. Il te fatigue vite. Et ça c'est un peu relou, mais c'est ça qui est beau justement. C'est la difficulté qu'il faut. J'ai cru que c'était un T-Rex de loin. On est en mode survie, puis moi je tire des balles comme un connard. Putain, un peu de sérieux. C'est bizarre. Bon. L'espace d'un instant, je t'ai prise pour ta soeur. Alors ça, c'est pas sympa de dire ça. L'espace d'un instant, je t'ai trouvé moins conne. Et puis j'ai réalisé que c'était toi en fait. Hé, attendez là. C'est plus fort que moi. Bon, savoir pousser, de toute façon, vous inquiétez pas. Ça, j'avais été voir ça là-bas. Oui, ma chérie. T'as raison. Ouais, je pense que là, on a quelques bouteilles, on a un petit peu de bouffe, on va pouvoir cuisiner un petit peu s'il y a moyen. Déjà, on va remonter à Sanctuary. Il faudrait que je trouve. Je vais regarder du wiki là, du wiki, parce que je suis un peu noob. Franchement, ce serait un mode survie sur Skyrim, par contre, ce serait l'extrême balade. Oh putain, je serais bien là. Je serais bien. Bon. Là, je vais voir si je peux faire cuire ces trucs-là aussi, ouais. Fruits mutants et tout ça. Ou si ça se fait pousser, je sais plus. On va regarder si on peut déjà faire quelque chose là. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Oh, je suis trop doué quoi, voilà, c'est tout. J'avais récupéré toute la viande qui traînait sur leur cadavre là. Ah bah non, ah bah voilà. Ah bah forcément voilà quoi. Ouais, c'est tout. Bon bah ouais, je pense qu'on va remonter hein. C'est là où il y a le plus de choses, parce que là, sinon à moins que si à un moment donné on arrive à balancer des gens là pour qu'ils puissent faire les trajets et puis obtenir ainsi, enfin partager le loot de Sanctuary ici, ce serait pas mal. Faudrait que je fasse ça, ouais. Parce que laisse tomber les trajets de ouf que je ferai à chaque fois. Surtout qu'on va pas se téléporter. Eh oui, c'est ça le délire. On peut pas se TP. Du coup ça va être chiant les allers-retours à un moment donné. Vous allez voir la même chose. Ah, c'est encore Sanctuary, putain, je passe Sanctuary, bordel. Bah ouais, je sais bien, mais faut que je me prépare, je suis encore mauvais là. Ah, juste le sniper sur le dos, ça donne un petit effet badass. Voilà. Bon allez, on va ranger. Je sais que je ne suis pas le seul. Voilà. J'ai perdu quelqu'un, mais... quoi avec du scotch. Il me manque tellement. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je veux juste faire un échange. Mais je veux pas échanger, je veux discuter avec certains lui. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais je veux juste échanger quelques trucs. Que... Oh putain. J'ai déjà vécu dans des endroits pires que ça. Mais je n'ai rien à foutre, je t'ai rien demandé, mon gars. Elle est où, la mémé? Elle est là-bas. Là, je vais vite la voir. Si elle va me faire une petite mission ou quoi, et... Et on s'arrêtera là.
On n'aura pas fait grand-chose, hein, honnêtement. J'ai un service à vous demander. Putain, qu'est-ce que tu veux? C'est idiot, je sais, mais... Ouais, mais... J'ai bien besoin d'une chaise. Quelque chose d'un peu plus doux pour mes vieux os. Ouais, bah tu recommences vous à ça. Vous pourriez faire ça pour moi? En affichant le texte en dessous, parce que j'ai demandé le texte en dessous et il n'y est pas. Une chaise? Une chaise en vaut bien une autre, non? La vision m'épuise depuis quelque temps. J'aime bien quand on m'obéit. J'ai mal partout, même quand je m'allonge. Je sais que c'est bizarre de vous demander une chaise sur mesure à notre époque, mais elle m'aiderait vraiment beaucoup. Ça se voit. Surtout pour quelqu'un qui doit garder la ville. Ok. Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci. Ouais, mon perso est sympa. Fabriquer la chaise de Mama Murphy. Allez, on va faire ça vite fait. Normalement, je devrais avoir déjà les éléments nécessaires pour pouvoir lui faire. Alors, j'aimerais savoir pourquoi parfois la chaise elle se construit au-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de construire un premier étage? Où est-ce que je pourrais la foutre en attendant? Je vais la mettre dans une pièce tranquille, là au calme. Elle sera entourée des chiottes là. Putain, non, je vais pas la mettre là. Allez, je vais la mettre là. Non, je vais la mettre là-bas. Ma maison, c'est ma maison à moi. D'ailleurs, je mettrai un digicode là dès que je pourrai. Parce que. Sans déconner quoi. Voilà, comme ça, elle sera toute contente. Il y aura des amis qui pourront s'asseoir ici. Ah bah tiens. Voilà, ils pourront se faire un petit baraquement ici, là, c'est bien, une petite baraque de fortune. Là, ils vont pas pleurer quand même. Je te fais ça bien tranquille. Bon, après, je vais l'améliorer le concept, hein, évidemment. Mais là, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, j'ai foutu ça sur la table histoire qu'ils aient un petit peu de compagnie orale. Hop, ça je mets un petit peu au propre. Voilà. Voilà. Ok, la citrouille. Non mais d'accord, non mais si t'as envie de faire ta vie, vas-y, hein, te gêne pas, j'ai l'habitude maintenant. Voilà, ça c'est bon, qu'est-ce que je voulais faire d'autre à part ça? Je sais plus. C'est pas grave, ça doit être la fatigue. Ah oui, les vivres. Bien vu, merci de me l'avoir rappelé. Ah, du blessurin. Voilà. J'ai rien d'autre. Ah, ah oui, ça c'est bon ça. C'est quoi cette différence? Ok, c'est juste l'aspect. Vous inquiétez pas, je l'ai eu legit, hein, je les ai achetés. Demandez pas aux voisins, ils pourront pas vous répondre. Ils sauront pas d'où ça vient. Ça. Non, parce que s'ils leur disent d'où ça vient, ils vont dire putain, on s'est fait braquer par le chepas, faut tous nous buter. Voilà. Défense 0. Mais si, j'en ai fait des défenses. Ah, c'est la mémé du coup, ouais, elle peut plus défendre. Bah oui. Ça doit être ça. Poste de garde. Bon allez, tout vrai, j'ai plus de fuck. Bon, on va donner l'ordre à quelqu'un pour faire le boulot de la non affectée. Bah ben, je vais t'affecter mon gars. Voilà, c'est bien. Du coup, est-ce que ça l'a pris en compte la défense? Ah ouais, c'était ça, la mémé, du coup, elle s'assoit, maintenant elle bouge plus son cul. Elle bougera plus son cul. Ah bon, d'accord. La cloche qui ne tient qu'une fois quand tu l'as créée. Oui. Non, mais c'est pas toi que j'appelais, ferme-la. Moi je pense que ça va être là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vais faire la sauvegarde juste après, donc il n'y a pas de risque que je crève. Donc si vous avez des idées pour la suite, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous auriez à proposer, ou même des petits défis possibles.
réalisable selon mon skill, évidemment. Donc pas des trucs trop dangereux, hein, d'accord. Et puis, sinon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.